Une recette très bistrot de tendrons de veau au jus aillé et girolles poêlées. On commence par préparer la garniture. Une fois les oignons nouveaux lavés et épluchés, on les émince en fines lamelles. Épluchez la carotte, la coupez en grosses rondelles. Hachez finement le cerfeuil. Enfin, coupez les girolles bien lavées pour qu'elles aient toutes la même taille et qu'elles aient une cuisson homogène. Pour les tendrons de veau, dans une poêle bien chaude, mettre de l'huile et les colorer. Laissez colorer la viande au moins 1 minute de chaque côté. Lorsqu'ils sont bien colorés sur une face, les retournez. Lorsqu'ils sont bien colorés sur toutes les faces, on ajoute le beurre. On va bien les arroser et ensuite baisser le feu et les cuire à nouveau 5 minutes. Attention à ne pas cuire le beurre dans une poêle trop chaude, sinon vous allez le brûler. On ajoute maintenant la garniture aromatique, c'est-à-dire les gousses d'ail en chemise, ça évite qu'elles brûlent aussi au contact de la chaleur, les carottes, le laurier, le thym et une partie des oignons. Le reste, on le conserve pour la suite de la recette. Après 5 minutes de cuisson, on débarrasse la viande et la garniture aromatique. On dégraisse la poêle et à présent, on va passer au déglaçage de la poêle. Dans la poêle bien chaude, on déglace avec 20 cl de vin blanc. On laisse réduire. On décolle bien les sucs qui se trouvent au fond de la poêle. C'est ce qui va donner tout l'arôme à votre sauce et au jus de cuisson des tendrons de veau. Et lorsque le vin a réduit de moitié, ajoutez 20 cl d'eau. Portez à ébullition, puis laissez mijoter pendant 3 minutes. On verse le jus sur la viande et enfournez le tout pendant 1 heure, voire 1 heure et demie à 180 degrés. Dans une poêle chaude, mettre un filet d'huile d'olive et on va faire sauter les girolles. Les assaisonner de sel fin pour faire sortir l'eau de végétation. Après 2 minutes de cuisson, enlever les girolles de la poêle et bien récupérer le jus de cuisson. Puis remettre la poêle à chauffer. Ajouter le beurre, remettre les girolles dans la poêle et bien les colorer. Ajouter les oignons nouveaux, assaisonner de sel fin et de poivre. Bien mélanger, cuire une petite minute, finir avec le cerfeuil haché et débarrasser. Lorsque la viande est cuite, débarrassez la viande et récupérez le jus de cuisson. Le filtrer et le mettre à réduire avec le jus des girolles. Laissez bouillir jusqu'à ce que le jus devienne nappant, c'est-à-dire qu'il ait épaissi et qu'il devienne très onctueux. À présent, il ne reste plus qu'à dresser. Disposez les girolles. Ainsi qu'un tendron de veau et nappé de sauce. Voici une belle recette à déguster le dimanche midi entre amis.